Et plop les gens! Bienvenue sur cette nouvelle découverte de Dandara. Je me suis battu avec mon clavier parce qu'au final, quand je lance le jeu, il a mis le jeu en QWERTY, ou alors c'est que c'est mon raccourci qui a changé peut-être. Tout ça pour dire que nous recommandons vivement de jouer à Dandara avec une manette, donc on se prend la manette. Et voilà, c'est tout. Et on va lancer ça. Donc c'est un jeu indé que j'ai eu grâce à Humble Monthly à l'époque. Et qui s'appelle maintenant Humble Choice. N'hésitez pas à utiliser mon lien. Bref, nouvelle partie, oui. Le sel vivait, une paix magnifique. Création et intention fusionnèrent ensemble dans l'apprentissage. Bref, pourtant un cancer, une idée en or grandit. Pourtant tel un cancer, une idée en or grandit. L'équilibre se perdit. Et l'oppression arriva. C'est alors que du berceau de la création un nouvel espoir s'éveille. Alors, le joystick gauche pour diriger et A pour sauter. Ok. Je vise littéralement là où il y a la bande grise. Hein. Enfin, là, je vise même vers le haut. Là où il y a la flèche vers le haut. Bref. X tiré. Ok, ça aurait fonctionné aussi. Déverrouiller un nouvel espoir s'éveilla, berceau de la création. Ok, en haut, en bas, ça avait l'air d'être pareil. Je peux pas aller jusque là-bas. Là, je peux descendre. Hop là. Ouais, je peux pas aller en bas pour le moment, en tout cas. Drapeau hissé, d'accord. Il y avait bel et bien un truc à faire ici. Ok, faut que j'aille en bas pour activer le... Ok. Alors, d'accord. Je suis pas allé assez loin. C'est pour le moment plutôt bizarre pour se diriger. Ah, et là je peux pas y aller, d'accord. Vu qu'on vise un endroit, mais le jeu nous... Là, par exemple, je vise juste dans le petit conduit. J'ai pas lu en bas. C'était marqué quoi? Je vise dans le petit conduit et pourtant le jeu me... Refuge de l'enfant poète. Okay. Le jeu me visait tout en bas, là. C'est le dernier endroit avec eu. J'en étais sûr. Là où ça sert à monter. Si j'y vais, je me prends des dégâts.
Et quand on se prend des dégâts, on reste en volant pas loin. Là, si je tire en bas, ça ne fonctionne pas. Faut tirer sur la zone. Ok. Là, il n'y a pas de raison d'aller à droite. Ok. Enseignement du chaos, punaise. J'ai pas le réflexe de lire le texte en bas. C'était ça, enseignement du chaos. Enseignement des créatures. Des créateurs. Pas du tout ça. Ok. Ah, faut activer les deux très vite. Non, on peut pas aller là-bas, donc on va aller là-haut, là-haut, en bas. Alors ici, c'est quoi? Épreuve des connectés. Ouais, ça semble évident. Voilà. Tout ça. Ok. Au moins ça m'évitera de refaire tout le trajet. En fait, je sais pas s'il faut que j'aille vite en cliquant plus vite possible ou si c'est mieux que je vise entre là et là. Ah, il bouge. On a d'abord tapé le truc qui venait ici. Coupe-vent de la création. Ok. Chaque salle a son nom. Ok, et là on est à côté du switch de la première salle. Il va falloir qu'on refasse tout le tour du coup. On dirait bien. C'est quand même un peu insistant comme tuto qui te montre là-bas. On peut pas aller jusque là-bas. Et donc là, est-ce que les pièces sont changées, surtout celle-ci? Oula! Je suis allé à gauche. Je peux pas aller en bas en plus. Oula. J'ai plus qu'un PV. Je suis mort, tombé dans l'oubli, game over. Adieu. Retour au camp. C'est quoi le camp? C'est là. Ok, c'est là, mais ça a sauvegardé. Une force étrange semble maintenir cette porte fermée. Ok, donc en plus, je peux même pas y retourner. Euh.
Non, là-haut, est-ce qu'il y a un truc intéressant? Non. Pas pour le moment, en tout cas. Bien, haut de la forêt, avec des arbres dans tous les sens. Prairie de la création. Oui, non, on peut aller directement. Camp découvert. Après, oui, Dandara. C'est moi. Augmente l'endurance de Dandara. Et ça, on ne sait pas. De toute façon, il faut 420. Je ne sais pas quoi, alors 0. Très bien. Et glossaire. Alors, le camp, un lieu de repos, d'apprentissage, parfois même de rêve. Drapeau de la liberté, hissez vos couleurs et laissez votre marque. C'est là que vous reviendrez si vous tombez dans l'oubli. Ok, ça c'est le checkpoint. Requête du sel. Ah oui, c'est vrai que c'était du sel. Les particules les plus élémentaires du sel. Apprenez et évoluez grâce à elles. Flèche de la liberté, une nouvelle mission de Dandara éclatera au grand jour. Cœur du grand sel. Augmente l'endurance de Dandara. Et après, on ne sait pas. Ah, il y en a beaucoup quand même. Ah oui, il y en a beaucoup. Et là, le troisième, on ne sait pas non plus. Village des artistes. Ok. Bois primordiaux. Logiquement, on va rencontrer là, on va rencontrer des gens. Oh punaise. Pour peut-être avoir une vraie quête ou quelque chose comme ça. Porte latérale. Ah, loupé. Le centre du village, village des artistes. Passer par en haut. Ça fait quoi ça? Il y a un petit tableau sur le sol. Éteint. Il est difficile de distinguer ses formes. Et on ne peut pas aller plus loin. Ok. Donc là on est bloqué. Ah oui, et là les zones où j'ai été, ça électrise. Il y a un coffre. Une chaussure. Une lampe à huile. Une carte. Un morceau de papier pour vous rappeler les chemins que vous avez pris. Ah. C'est comment? Select. Donc là, la croix, c'est là où je suis mort. Cool. Ok. Ça. Je suis déjà perdu. Ok, ici il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller. Maison abandonnée. Pourquoi mission? Alors, rue de la communauté. Donc là, on est ici, il y a une porte tout à gauche. Je suppose qu'on peut seulement ou plus facilement passer par en bas. Non, on dirait qu'on peut passer par là. Ok, c'est bon. Ça m'a rapporté du sel. Ah oui, plus 10. Ok, quand on tue les ennemis, ça rapporte bien du sel en bas. Un rond, un slim. Essence de sel, utilisez-le proche de votre cœur pour retrouver votre force. C'est une potion? B, ok, bon, pour le moment j'ai... quasiment full. Enfin, je suis full life. On va pas l'utiliser tout de suite. Mais du coup, vu que là, ça s'est bien passé, il y avait quoi par ici? C'était juste un autre passage, d'accord. Électricité ou pic, c'est nous qui voyons.
les riches et les pauvres. Ok, c'était... C'était pas un boss pack fight, mais c'était pas si facile que ça. Esquiver tout le temps. Maison de Tarsila. Elle a des gros pieds, la Tarsila. Même chose que tout à l'heure, je suppose que ça sera encore la même chose, oui. Bonjour madame. Tarsila. Ah, jolie, si jolie, tu dois être Dandara. As-tu vu l'horrible armée d'Eldarienne alors? Ce n'est pas vraiment un accueil chaleureux, je suis tellement navré de devoir te montrer le côté de la création dans cet état. Nous nous sommes cachés dans nos maisons attendant le pire jusqu'à... Nous avons tous senti ton arrivée, mais je n'en avais pas la certitude, j'avais besoin de te voir. Maintenant, tu es là. Alors, tu vas nous aider? J'ai une idée. Je vais faire briller une nouvelle fois mes tableaux avec mon pinceau et ma palette. Ok. Ça va cliquer tout seul? Ouais, ça finit tout seul. Ok. Donc quand j'appuie, le truc se bouge. Ok. On va aller dans le nouvel endroit. Oh punaise, arrière-cours. Oui, il y a quoi qui bouge? Elle est sympa la gravité. Ça colle bien, mais à un moment ça veut plus. Donc là, on est derrière elle et on récupère le coffre. Ah non, peut-être pas tout de suite. Égout. On est où? Ok, si on prend la première porte en bas, c'est bon. Mais on peut pas. Ok. La grande promenade. Où est-ce que je vais? À droite, ça a l'air bloqué. Bonjour. Pourquoi il y a un esprit? Bibliothèque. Rose, tristesse. On est en haut à gauche de cette salle, qui a l'air fermée d'ici d'ailleurs. Non, en haut à droite. Et ce qu'on aimerait, c'était, ça serait passer en haut à gauche pour aller à gauche. Ok. Ok, sauf que je suis... Voilà. Ici, on a déjà été d'ailleurs. Maintenant, je reconnais. Ah non, c'était par le petit trou qu'il fallait essayer de passer. Ah, ici. Genre là. Voilà. On verra le bouton après. Là où on voulait, la maison de Tarsila. Qu'avais-tu derrière? Ok, sûrement des sous. Alors on va utiliser B. Jolie animation et ça te redonne bien un cœur.
Et là, non, il a l'air d'avoir rien à droite de cette pièce. Ok, retour ici. On veut appuyer sur ce bouton pour voir ce qu'il fait. Ok, il bouge celui-là. Pour pouvoir sortir. Là. Alors là, soit on va explorer sur la droite, soit on va explorer sur le haut, mais faut pas tout refaire. Faut passer par là. Donc la pièce du haut n'est pas explorée. Et celle de droite, pas vraiment. On va aller à droite, du coup. Pour aller à droite, normalement, c'est ici. Centre du village, c'est bien ça. Ici. D'accord, c'est des boutons qui vont se... Ah, en vert, on voit ce... En vert clair, on voit les boutons à appuyer. D'ailleurs, tout à gauche, il y a des boutons aussi. Et plop, un barbu, comment ça va? Ah, pour le moment, il y a plus du sang que de la nourriture. Tac. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais voir d'abord si je retourne au camp. Tac. Est-ce que ça me... regagne la vie et les... Et la potion. Ouais, c'est un Metroidvania. Donc Dandara, moi. Oh, il y a la potion, justement. Augmente l'effet de l'essence. Amélioration. N'importe laquelle coûte 420, c'est ça? Donc soit j'ai un PV de plus, je suppose, soit je me régène de 1 PV en plus. J'aime beaucoup la régène. Mais quand tu peux utiliser ta potion que quand t'as un PV, c'est pas ouf. Je vais prendre ça. Et du coup, c'est bien ça. Maintenant, j'ai 4 là. Le coût de la prochaine amélioration, quelle qu'elle soit, coûte 600. Ok. Et glossaire. On va revenir du coup, vu que je suis allé jusqu'au bout. Carte, oui. Essence de sel, oui, c'est ce que j'avais vu. Exhausteur d'essence de sel. Augmente l'effet de l'essence, ok. Ok. Oui, oui, c'est plutôt joli pour le moment. Par contre, rien que le fait que la caméra, des fois, elle change de côté, c'est déjà brainfuck. Et t'étais pas là tout à l'heure, mais pour contrôler le personnage, en fait, ça suit le joystick. Et moi, mon truc, c'est la partie grise. Et là où je vais vraiment, c'est ce qui est en vert. Et du coup, là, je garde en haut à gauche, je vais là, et en fait, là où je vais vraiment, c'est même pas le gris, c'est le petit diamant là-haut. Mais vu que je peux pas y aller, il me met en miroir ma visée en gris. Et vu que je peux pas non plus y aller, il me sélectionne en vert l'endroit où je vais aller, quoi. Et si je remets là, sinon c'est bon. Ce qui est relativement perturbant, en tout cas pour le moment. Ah oui, j'ai bien gagné ma vie d'ailleurs, c'est ce qu'on regardait. Là, il va remonter, il va remonter. Vidracania. Alors là, on peut aller à gauche. On veut aller où? À gauche, à droite. À gauche plutôt. J'ai dit à gauche alors qu'on peut aller à droite. On va aller là parce qu'il y a une petite salle. La porte semble fermée de l'intérieur. Quelqu'un se cache là-dedans. Eh bien... Camp découvert. Oh, on peut aller au camp juste ici au lieu de retourner jusque là-bas. C'est cool comme concept. C'est pas mal, ouais. Et mince, j'ai pris ma vie. Bon, bah, du coup, je vais aller au camp. Enfin, ma potion, je veux dire. Drapeau ici. Et du coup, le drapeau... J'ai trouvé une fois un drapeau sans le camp. Et le drapeau me permet apparemment de faire checkpoint à l'endroit où je veux. Et le camp, lui, me restaure les PV et les potions. Du coup,
Oui, on va aller à droite. Guaranteed. Ok. Alors là, qu'est-ce... Ok, apparemment, il y a un truc là. Ah. Il y a une petite boîte à musique sur le sol, le plus souvent silencieuse. Un petit bourdonnement tente d'atteindre vos oreilles. Ok, donc on peut pas aller là-bas. Et vu qu'on peut pas aller là-bas... Donc c'est cette pièce-là, avec les trucs violets. Violet, ça va être boîte à musique. Vert, ça va être ce que j'ai déjà. Alors j'ai appuyé sur Y, apparemment ça fait une photo. C'est bizarre. Et donc là, je ne peux pas passer. On va faire le tour. Après, c'est cool comme concept, mais les critiques que j'en ai eues, c'est très bien sur mobile, sur PC un peu moins cool. Mais je suis sur PC, donc voilà. on va aller dans la pièce que je connais à gauche. Apparemment, je peux aller là. Ah, il y a un coffre. Bon, on y retournera de toute façon ici. Connexion au chat. Ah. Rip moi. Bienvenue sur le chat. Mais la reconnexion en cours toujours comment ça s'appelle? Du stream. Oui. Ouais, 2 secondes. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est bon. Et du coup, tac, je remets ça là. Ça, c'est pas besoin... Forcément, j'ai un rapport de stream sur les 30 premières minutes, mais... Non. Ce n'est pas un vrai rapport. Non, pas menu principal. On continue. Du coup, on est là. Est-ce qu'on va tout à gauche? Ou est-ce qu'on monte d'abord? Ouais, je suis curieux quand même d'explorer là. Salle en priorité. Ok. Donc là... Ah, là, il y a le bouton... comme tout à l'heure. Et je peux passer par en bas pour retourner... ok. Donc là, on va passer par en haut. Non, là, là. Ouais, là, elle a un flingue dans les mains. Du coup, j'ai pas vu le nom de la salle. Ah! Tant pis, on ne peut pas y aller. Ah, là-haut, c'est le bouton select qui est dessiné pour la carte. Alors que si je commence à utiliser ma souris et tout, on voit les touches qui sont mises à jour, bah justement ici. Tab et Q. Ok. Bref, là-haut, je suis bloqué. À gauche, je suis bloqué, donc on va aller au-dessus du campement, je suppose. Bah, le... Ouais, il tire avec sa main, son doigt, je sais pas. On va se soigner, du coup. Vu qu'on peut. On n'a pas grand-chose de plus à y faire. On remonte. Alors, est-ce qu'on va là? Mince. On va prendre le coffre avant de l'oublier. On a plus de sang, donc on a 400 de sel. Mais... Ah, temple de la création. Mais je ne peux pas aller là-haut non plus. Ça sera pour plus tard, apparemment. Non, c'est... Pas moi qui touche à la carte. C'est le jeu tout seul qui décide que des fois, là, on va tourner, comme ça va bien brainfuck. Voilà, par exemple ici, avenue principale. Ça va bien brainfuck les gens qui d'habitude ont un sens de l'orientation. Ok. Ça, c'était juste pour nous montrer qu'il y a des ennemis comme ça qui existent.
Ah, et là, juste au bout du truc gris, j'ai l'impression que c'en est un d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ok, là on va où? On va aller en haut, je crois. Est-ce qu'on peut? Oui, on peut. Ok, c'est des caisses. T'as vu la gravité, comment elle est barbu. C'est un peu bizarre. Tu tapes une caisse et puis elle décolle et c'est tout. Je sais pas pourquoi je passe par en bas, mais je sais pas pourquoi je passerai par en haut. Du coup, là... Oui, je suis juste à droite. Ok. Mais quand tu regardes sur la map, elle s'adapte à ton sens ou c'est toujours dans le même sens? Auquel cas tu dois essayer de te repérer. Non, ça a l'air d'être toujours dans le même sens. C'est genre là, la pièce, elle est en longueur sur la droite. Alors que au final, je suis ici. Attends, la souris. Je suis ici, donc là, sur la carte, je suis en hauteur vers le haut. Donc ouais, galère. Marché central. C'est pour ça que je dis que ceux qui ont un peu, qui d'habitude sont se repèrent, là ils sont très certainement brainfuck parce que je commence à l'être, par exemple. Parfait. Là il y a une salle. Et sinon on peut revenir tout au bout. On va passer par là. Hein. C'est peut-être pas pour moi, mon cerveau exploserait. Mais non! Ok, et là, on peut rien faire. Toujours l'histoire de la boîte à musique. Donc il faut aller à gauche. Okay. Ou alors, on aurait pu aller en bas ici aussi. On va explorer ici d'abord. Ok, c'est bon. Avenue principale, encore? Ah oui, c'est vrai. On est retourné dans une salle, donc forcément. Non, je vais aller là-bas, mais une fois que lui, il a fait demi-tour. Voilà. Ok, c'est bien. Club du coin. C'est un club, ça? Ok, c'est un coin. Ça. Rien à dire. Là, il y a un petit trou. Ok. Je suis où? Je suis là. J'ai du mal à comprendre. Ou alors la partie en brique là, elle est indiquée en fait sur le passage, mais elle n'est pas sur le passage. Donc peut-être qu'elle va l'être à un moment. Ah, c'est peut-être une salle de boss du coup en fait, où les passages en pierre vont se refermer pour... Enfin les murs de pierre vont se refermer pour pas que je puisse m'échapper. Vu qu'il y a un grand couloir comme ça. Ouais, c'est bien ça. On va prendre une petite potion. Ok, c'était pas facile. Et donc là, ça s'enlève. Ok. Et là, du coup, je suis bloqué ici et il y a un code derrière. Ok. C'est dommage que les... merci. C'est dommage que les coffres ont
ne sont pas notés ou on ne puisse pas les noter. Oh, on peut zoomer. Ou au moins, on ne puisse pas les noter nous-mêmes sur la carte. Du coup, je vais où? En haut? En bas, je reviens. Je sais pas si c'est le plus intéressant. On va le faire peut-être juste pour l'expérience. Mais... Allée du piano. Il y a un bouton en haut. Un bouton. Ben là, j'en vois pas. Ça, c'est une porte là. Non. Ça. C'est une porte. Bon, on peut aller au nord, oui. Allons au nord. Jamais, non. Maison de Thomas. Si c'est la maison de quelqu'un, apparemment, c'était l'endroit où aller. Le ciel est devenu sourd à ma musique. J'ai l'impression de disparaître. Pardon? Attends, tu es Dandara, pas vrai? Quand as-tu rêvé ici? As-tu achevé ce bruyant monstre de l'armée eltarienne dehors? La liberté? J'aime la façon dont ça sonne. Je sais quoi faire. Cette chanson vient de l'ancien temps du sel. Ok. Et du coup, maintenant, les trucs de boîte à musique fonctionnent. Ouais, du sel. C'est ce qui fait tourner ce monde, apparemment. Ah, du coup, j'aurais pu aller de l'autre côté pour revenir. Porte principale. Ah, là, il y a un changement d'univers. On revient à la forêt qui est ici. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai plus beaucoup de vie. Est-ce que je continue à explorer vers l'avant alors que... Bah de toute façon je peux pas. Ok, je peux pas venir ici. Enfin, je peux pas aller plus loin quoi. Va falloir que je retourne... Oui, très intéressant comme élément primordial. Surtout en stream, tout ça. Je pense que je vais aller par cette pièce-là, revenir ici et au camp. Et après revenir ici pour... Bah non, ou passer par ce raccourci-là et voir si je peux rejoindre ici. Ouais. Donc là... en bas. Donc c'est ici. Et le... Ah! Non, c'était de l'autre côté que je voulais. Non, si, c'est ça. Ah, mais du coup, je dois faire tout le... Oui, vaut mieux. Bon, du coup, c'est un peu brainfuck, mais quand on veut aller vers la gauche, on clique à gauche et puis ça nous... Ça nous y emmène tranquillement. Ouais. Je crois que c'est là qu'il faut que j'aille. Centre du village. Oui. Sans perdre un seul PV. Oh, masse de thunes. Du coup, cette fois... la potion. Ça me paraît bien. Avoir 2 PV au lieu d'un. Ou l'utiliser 2 fois, je ne sais pas encore. Non, c'est pas par là que je voulais aller. Du coup, j'ai dit que je voulais passer par en bas la petite pièce ici. Parce qu'il y avait un coffre en plus dedans de mémoire. De garantie, non. Et le coffre, 200 selles de plus. Avenue des 9 premiers. Ok, donc là, si on passe par en haut, on peut rejoindre la salle d'avant.
Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Oh. Oh putain. Évidemment, ça nous met en diagonale pour que ce soit plus facile. Mais en gros, on peut faire un tour par en bas, quoi. De ce que je comprends. Puis il y aura des... Putain, j'ai utilisé mes PV. Ma potion. Porte arrière du marché. Donc là, normalement, on est revenu. D'ailleurs, j'ai même pas exploré de ce côté. Si. Pas exploré en bas. Ça se trouve, il y a un coffre. Punaise. Je sais même pas ce qui m'a fait des dégâts. Ah, sûrement une petite boule. C'est limite. Et là, je suis de retour ici. Du coup, on va redescendre. Ou alors on remonte et on retourne au camp. Non, on va descendre. Et plop Tokumiya! Bienvenue! J'aime beaucoup, en vrai c'est cool comme gameplay. Elle m'explique. Je sais plus lequel j'ai fait, mais je pense plus d'un. Ah si, la potion. La visée, c'est comme le barbu. Ah bien le bonjour. J'ai s'allumé comme on m'agresse, je m'abstiendrai. Quoi? Comment ça t'es agressé? D'ailleurs, vous avez dû remarquer, j'ai changé certains paramètres sur le stream. Maintenant, faut dire que vous êtes adulte. Donc j'ai le droit de dire des insultes. Ou certains mots ont le droit de m'échapper. Punaise. Et normalement, j'ai aussi... En fait, le bot, il était en modéré. Et normalement, vu qu'il est en modéré, il devrait moins bloquer de mots. Enfin, il était en modéré et je l'ai passé à... Je sais plus si je l'ai totalement éteint ou si j'ai vraiment laissé le minimum parce que c'était quand même les trucs racistes et tout que... C'est pas cool, quoi. Ah, essaye. On verra. On verra si le bot te fly ou pas. Mais je sentais que ça te manquait, Barbu. Oula. Je sentais que ça te manquait de... Dans ton expression... Je vais me faire ban, je le sens. Tu vois, ça passe. Par contre, moi, je vais quand même mettre la vidéo sur YouTube et Peertube après, donc... Quand il y a des insultes gratuites comme ça, surtout, je vais éviter de me... De les dire. Oui, Dandara est noire. C'est une déesse, j'ai l'impression, mais... Je ne sais pas trop. Ah oui, je pouvais aller ici aussi maintenant. Mais c'est loin. Ah non, ça j'avais déjà fait. Oui. Oui, bah faudrait que je puisse... Enfin, je peux revenir ici. Je viens pour les insultes. Oula, oula. Oh, de justesse. Et bonsoir, Cinnabole. Elle te posait la question directement. Ah. Non. Je sais pas si... Ouh. Si ce genre d'infos privées vous intéresse vraiment. Quand il y en a deux là. Ok, toi t'es cool. Ok, toi t'es cool. À chaque fois j'ai envie de crier Sinnoh avec le Corona là. Ah oui. C'est vrai que je sais pas pourquoi les gens l'appellent aussi Sinnoh, je sais pas quoi. Mais Sinnoh c'est avec un Y. Cinnoble de riz. Non. Pont sur la rivière qui tombe. Ah. Il y a des ennemis partout. Au secours. On ira les battre peut-être après.
si on a des plein de vie, plein de pouvoir, mais déjà en arrivant ici, j'ai perdu la moitié de ma vie, donc on va éviter. Maison de... j'ai pas vu. Attendez une seconde, il s'appelle comment ? Mais le petit là, c'est un Spider-Man, juste des pieds. Maison de Lazuli. Bah c'est une maison mais il y a personne. Quoi ? Ah ça c'est un vrai coffre utile. Ok, c'était pas juste du sel. Utilisez le proche de votre cœur pour retrouver votre force. Essence de sel. Ah du coup maintenant ça me fait la deuxième potion. Niveau 2. Vu que je l'ai monté de niveau juste avant. Attendez, essai. Une potion me ramène 2 PV et il me reste une potion. Ok. Dandara, si c'est une fille. Ouais, bah on va éviter de se battre, hein. Tomber dans l'oubli. Game over. Tant que vous vous auto-régulez, ça va. Mais pas trop de blagues. Voilà quoi. Du coup, cette zone-là, elle est... Mais si ça se trouve, il y a quand même un coffre ou quelque chose là-dedans. Bref. Hein ? Attendez. J'ai plus de sel. Non. Faut que j'y retourne. Oui, c'est par là. On voit la tête au camp, c'est une dame. Et sur le mauvais skill. Ah, vous avez le droit de dire que j'ai pas de skill, hein, si c'est le cas. Et avoir eu comme ça. Oui. Voilà. Non. Parfait, il y en a eu qu'un qui s'est réveillé. Super. Ok. J'ai réussi à les faire s'écraser contre des murs. Je suis content. Alors, l'histoire du coup. On n'en sait pas beaucoup. Bon, sur la rivière qui tombe. On n'en sait pas grand chose de l'histoire. Ah. Oula, ça a bien vibré. En gros, c'est la merde. Et il y a Dandara qui apparemment est dans une prophétie qui arrive. Mais non! Oui, une potion ramène bien juste 2 PV, pas plus. On va essayer de tous les avoir hein, pendant qu'on y est. Non! Non, je sais pas viser. C'est pas l'élu, c'est plutôt vu que c'est la merde. Elle apparaît quoi. C'est pas genre une humaine qui. Enfin, je sais pas si c'est des humains vu la tête de certains. Mais c'est pas quelqu'un qui tout d'un coup devient l'élu comme le serait Link dans un Zelda. Ok,
le côté droit, c'est bon. On va regagner nos 2 PV. Je sais pas si c'est bien. Mais c'est... C'est compliqué à jouer. Oh punaise. Non, non. Attends. Ok, j'arrive pas à viser. À parler en même temps que j'essaie de viser, j'y arrive pas. Déjà, je pense que... Ok, derrière un prochain tour. Est-ce que là, ça touche? Non. Ok, lui, je touche juste les pieds. On va finir par l'avoir. Ok. En gros... Il n'y a plus de sel, ou il y a des problèmes avec le sel, je me souviens déjà plus. Ça fait quoi? Ça fait une heure que je suis en live. Il y a Dandar, du coup la prophétie, tout le monde le savait et tout le monde le sentait, mais voilà, Dandara est en train de venir pour essayer de rétablir la force, plus ou moins. Ok. Il me reste plus que lui, je crois. En espérant que ça donne un coffre ou quelque chose, quand même, parce que... Ok, alors, il n'y a plus personne là-haut. Le jeu, tu me laisses aller où je veux? Il n'y a plus personne en bas, ok. Il n'y a plus personne à droite, mais ça, j'avais déjà vu. Et il me semble qu'il n'y avait plus personne à gauche aussi. Ok, donc il n'y a pas grand-chose. Prof de français en plus qui fait tant de fautes. Je suis de la barbichette, je suis caché à personne aussi. Maintenant, si. Alors là... Où est-ce que je peux aller? Je peux aller nulle part. Du coup, je vais être obligé de venir ici. Je vais passer par en haut. Oui. J'ai foncé dedans. Trop concentré sur le chat. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon, on y va. Facile de dire que c'est la faute du chat. Non, là je rentre. Oula. Là je vais rentrer au camp qui est là. Et après je vais. En fait, je cherche un endroit qui n'est pas bloqué. Pour le moment, quand il y a une sorte de barre comme ça, je suis bloqué. Sauf dans cette pièce. Ici, oui, il y a un coffre d'ailleurs. Mais sinon, quand il y a une barre, je suis bloqué. Et ici, ça m'a l'air d'être le seul endroit où je ne suis pas bloqué. Ou ici. Donc, voilà. Je cherche à avancer, en fait. Juste au moment où je regarde le chat, que je lis « Ouais, toujours la faute des autres », je me prends un mur, un ennemi.
Donc oui, toujours la faute des autres. Nous on a terminé Evoland à 100%, c'est trop cool. Ah, 100% en plus. Il est bien. Il m'a l'air pas mal, mais blessure grave. Ah, ça m'a remis full life aussi. Les deux. Ok. J'y ai joué la version démo, enfin la version... Comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié le nom. Quand ils font un challenge de code là où ils ont 24 heures ou 48 heures pour faire un jeu, Game Jam. J'ai joué la version Game Jam de Evoland. C'était sympa au début, enfin c'est sympa mais c'est un peu vite relou. Mais après non, je suis parti sur Northgard qui est très bien, qui est pas du tout dans le même genre mais c'est le même studio, c'est pour ça que j'en parle. Et voilà. Bref, sur ce, vu que je vois que ça fait déjà 55 minutes pour la première VOD, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura plu et que vous regarderez la suite. Bye bye.